président Jovenel Moïse a travaillé sans prendre souffle, une façon pour être capable de porter réponse rapide au presso à un ensemble de problèmes que la population a gagné et l'attend que l'autorité, notamment lui-même président, qui a fait une série de promesses dans la campagne, il peut être bon genre réponse pour lui. Le président Jovenel Moïse rend compte que si c'est vrai que l'État a pas grand pile cob, mais il y a un gros problème qui fait que l'État n'est pas toujours capable de bailler la population en service, c'est parce que grâce à ce que nous gagnons, nous mal utilisons. Souvent c'est gaspillage, souvent c'est corruption. Eh bien, en façon pour être capable de permettre que chaque goutte nous dépense, aller pour bailler la population en service, meilleur service qu'il gagne, il gagne un ensemble de décisions que il prend tout de suite après que fin formé gouvernement. Jodian, par exemple, n'a annoncé population décision prend par arrêté pour que question subvention le monde à l'institution l'état yo wal mandé accompagnement wal mandé aide et gon gros désordre dans question ça et constat que président Jovenel Moïse fait c'est que en pile monde profiter de question subvention pour régler l'autre cause. Je dis, le président dit, pas de problème, on a toujours été dans le cadre de subvention, mais on a pris le contrôle sur lui. Je dis, l'homme a besoin de subvention, on peut passer dans la voie qui est tracée au niveau administratif. Et puis, il faut que chaque institution ministère qui a dit, pour moi, mais qui va à la subvention, mais qui moun yo bay, pour que nos moun sa yo avec subvention, quantité de copies joignent comme accompagnement, y aller dans le journal officiel républicain qui c'est moniteur là. Sous pas gain pour cacher, pour pas capable peur transparence. Et justement, président Jovenel Moïse pour la transparence, je dis. Deuxième, vos décisions que le président prend par arrêté, toujours, c'est ça concerné train de vie l'État, Jean l'État a vivre, Jean l'a fonctionné. Bon désordre total qui fait que souvent, si ça nous gagne comme moyen, pas même disponible, nous prenons un budget à, c'est international qui a ban nous coup de main, eh bien nous très mal utilisé. Je dis à des dispositions prend pour que ça nous gagne comme ressources, nous utiliser avec plus grande efficacité de guerre. Nous là-dedans, c'est dans les affaires machines, l'État, Jean nous a utilisé, Jean nous a servi avec eux. Journalistes sont capables de copier de arrêter ça prend dans le Conseil des ministres qui était fait dans ce moment-là, qui concernait réduction de train de vie l'État, pour l'État suspendre dépenser COB, tribord par bord, sans contrôle. Je seulement prends un ou deux exemples avec nous, et puis nous avons nous-mêmes, journalistes, dans l'émission de débat et autres, pour nous capables d'approfondir le document. Une la donne concernait les affaires machines. Eh bien, je dis, non, arrêté sous réduction de train de vie d'État, si pas gagné une autorisation spéciale du Premier ministre, là, pas gagné aucune machine du genre voiture, pick-up ou bien tout terrain, pour aucun ministère, pour aucune institution, aucun organisme public cap acheté dans le reste année fiscale 2017. Ça. Pour l'État acheter une machine du genre voiture, pick-up, tout terrain, ou yon ministère, ou institution, ou organisme public quelconque, faut gagner une autorisation spéciale du Premier ministre. L'autre mesure, gagner en pile matériel l'État, qui jodia, nan men des moun qui pas gagner aucun titre, aucune qualité pour yon à utiliser. À partir de publication, arrêtez ça. Tout moun qui gagne bien l'État nan men, machine, particulièrement. Il y a pour obligation pour le porter le tourner tout de suite sans perdre du temps. 15 jours après que arrêté ça, fin rendre public, eh bien, tout le monde qui gagne matériel roulant l'État dans le monde, il a considéré que c'est vol lié, il a considéré que c'est détournement de biens publics et action publique a mis en mouvement contre tout le monde. Bien entendu, il y a l'autre mesure qui prend dans les affaires, quoi qui dépensait tout pour nous acheter une série de matériel roulant. Je dis, par exemple,
l'État limité à 2,8 millions de gourdes, 2,8 millions de gourdes, toute machine qui a acheté service de l'État, ou encore officiel, il n'a pas dépassé 3 200 000 gourdes, toujours est-il, ou tout excédent pour le Taal, en tout cas, Spiro, pour que ce premier ministre-là, en personne, qui peut autoriser ça. Et si on a posé pour qui raison, eh bien, disposition sérieuse, c'est parce que non seulement les citoyens ont le droit qu'on ça cap passé, l'État a un devoir lui-même pour le bail reddition de compte, la transparence, et puis pour tout le monde, tout citoyen qui a payé taxes, connaît est-ce que la taxe sera bien utilisée. Hier, le président Jovenel Moïse fait journée dans le département de la Tibonite. Dans le département de la Tibonite, c'est parce que pour elle annoncé, dans le jour qui vient là, au 1er mai, il y a une caravane changement qui va démarrer. Il va démarrer le 1er mai qui vient là, il va camper le 6 février 2022. Caravane changement, son caravane qui lui-même chita sous relance production agricole là. Nous connaissons ça, ça a représenté pour le président Jovenel Moïse, Théa, Soleil là, Rivière avec Mounio. Eh bien, le discours campagne, il va passer dans la phase pratique là, à partir du 1er mai qui là, et c'est dans la vallée de la Tibonite, il va commencer. Mais avant nous arriver dans la vallée de la Tibonite, pour que la caravane démarre, le président va l'assurer que il y a une bonne disposition pour ça. C'est ça qu'il fait. Hier, il était dans la localité Kano. Kano, c'est une opportunité. Barrage Kano hein, qui permet que 90% de la vallée de la Tibonite dans lui-même li joigne l'eau pour être capable d'irriguer, pour être capable d'arroser. Eh bien, visite ça ailleurs dans la Tibonite, c'est pour le président d'aller constater est-ce que le travail d'irrigation dans Kano ça est correct, est-ce que tout le bagage a bien marché. C'était l'occasion pour lui de rentrer dans Liankoutou, dans la localité Droit également. Pour le regarder comment ça fait tronçon route, que ce soit 7 km de route en bord ou bien 15 km de route en l'autre bord. Nous connaissons, si on a parlé de l'agriculture, il faut qu'il y ait une route tout pour les paysans soient capables d'écouler les produits. Puis tu as regardé travailler ça pour voir comment vous voyez, de façon que le premier mécabine là, toute institution de l'État, toute autorité qui concerne eux, autorité ODVA, est capable de prendre direction, parler la Tibonite pour que 24 heures sur 24, tout équipement qui a contribué pour permettre eh bien, vos chantiers agricoles à redémarrer, tout équipement qui est dans le CNE, bon, commission formée pour que vous soyez capable de réquisitionner, assurer que vous tout vous mettez à la disposition de l'État pour que eh bien, caravane changement soit capable de démarrer en bonne et due forme à partir du 1er mai qui a venu là. Moi, c'est Youn, non, mon porte-parole de la présidence là. C'est un honneur pour moi de servir le pays et c'est un choix que le président Jovenel Moïse fait, côté lui traduit volonté pour mettre plus de femmes dans l'espace pouvoir et tout lui veut servir avec compétence. Lucien Jurat a parlé de visite chef de l'État, Jovenel Moïse, qui était dans Gonaïve hier. Jeudi, M. Moïse lui trouvait lui dans le département de la Grandance. Il est en tête en délégation. Délégation ça gala dans le premier ministre là, Jacques Guy Lafontaine, il gala dans tout ministre travaux publics là, ministre plan Aviol Florent et ministre santé publique là. Visite ça entre dans cadre j'effort que gouvernement a fait pour capable aller plus près population puisque monsieur Moïse dit semaine là gagne 4 jours là-dedans et ben la baie province 4 jours, Port-au-Prince après 3 jours pour lui capable vraiment plus près. Pendant la visite, ça, M. Moïse a gagné pour visiter 8e section Fonds Rouge, côté libéral gagné pour lui prendre connaissance de situation habitant dans la commune ça, et garder comment il est capable de porter des réponses vraiment rapides à sa moun qui a vivre dans la localité ça au besoin. Chef l'État a estimé que Jodian est pressant, il est très sensible et très préoccupé par conditions infrahumaines que un pile moun a vivre, surtout famille qui était victime pendant le passage cyclone Mathieu et dans le contexte post-Mathieu. Franchement, il y a des améliorations qui pouvaient faire. Et le président Jovenel Moïse, conscient de ça, visite l'IA, entré dans le cadre
Ça, l'autre visite encore que le président Jovenel Moïse fait, c'est hier, côté aller visiter divers centres de réception et de livraison de documents dans plusieurs communes dans la région métropolitaine. L'Italie est là-bas, l'Italie est tout Pétionville et l'Italie est dans le centre-ville de Port-au-Prince, puisque je dis, en un moment, on a parlé là dans la rue Lamarlin, tout préparé national, il y a un centre qui est déjà opérationnel. Ça veut dire, ou pas besoin de faire passeport dans l'immigration, ou bien le choix capable tout aller dans Oulama. Et l'idée, c'est franchement avant l'année ça finit pour avoir au moins 40 centres de fonctionnement pour permettre que, quel que soit le côté de pays, on capable de retirer documents. Chef l'État a rappelé que les gens ont une attention particulière que les Galbaïs avec Haïtiens qui vivent en République dominicaine, qui ont même déjà produit plusieurs demandes d'identité dans le cadre de programmes d'identification et de documentation immigrants haïtiens qui portent nos PIDI. Ainsi, il y a 10 000 passeports qui ont déjà livré, c'est depuis hier sa fête, et le président lui a demandé tout avec tout haïtien qui vivent en République dominicaine pour prendre patience, puisqu'il a déjà une instruction de passer à l'ambassadeur dominicain dans Port-au-Prince et passeport. Ça y est, il va le récupérer à l'ambassade Haïti en République dominicaine et c'est sous supervision Madame Magali Gentil Magloire qui a gagné pour faire suivi ça. Il y a deux chiffres tout dans quatre questions documents. Il y a une situation critique que M. Jovenel Moïse trouvait là-dedans, côté il était parlé de ça hier, côté jeudi, il y a plus de 117 000 demandes réelles avec une sollicitation journalière de 1 200 passeports et contribuable obligé de payer frais qui exigés par service immigration sans que vous pas capable de joindre satisfaction. Contribuable bio, vous pas capable de joindre satisfaction et M. Moïse estime jeudi en gain des interventions pressantes qui peuvent faire pour permettre que les gens qui vivent en pays et de leur pays joignent accès à des documents officiels. Merci. Si tu as gagné deux questions.